solution biomimétique. Exactement. Comme la voile dorsale du Colossus. La membrane d'ouverture. Dany est passé ici, seul. Il n'y a pas de trace des autres. Où est-elle allée? Ça voyageait léger. Il y avait des rations. Je sens une faible odeur. Alors, qu'est-ce que Jean t'a dit? Seulement qu'il avait mentionné un sujet qu'il aurait dû éviter. Ouais, ça. Il a vraiment mal choisi son moment pour parler de fonder une famille. Avec ton retour, Jean a repris espoir. Alors, c'est pour ça que tu es ici toute seule? On peut dire ça. Les autres n'imaginent pas à quel point les choses vont empirer. Demande à l'animal piégé que j'ai vu. Où les as-tu trouvés? Au nord-ouest du QG. Je vais m'en charger. Thank you.
Dani, l'animal est enfin libre. Cool. Je suis contente que tu m'aies trouvé. Notre petite discussion m'a rappelé que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de ça. Que je me suis pas confiée à quelqu'un. Je suis près de l'entrée du QG. Est-ce qu'on pourrait parler ? Je te retrouve là-bas. T'es revenu. Pour l'instant, ou... Est-ce que j'ai le choix ? Peut-être que tu devrais lui parler et lui dire ce que tu ressens. Jean a tellement d'amour à donner. Ce serait égoïste de ma part de tout garder pour moi. Il aimerait fonder une famille. Sur Terre, j'ai grandi dans un environnement difficile, bâti par des gens comme Mercer. J'ai jamais oublié le regard de mes parents. L'animal que t'as libéré protégera les siens un jour, et il connaîtra cette même douleur. Je ne pense pas que ça aille aussi loin. C'est naturel de donner naissance et de protéger ses petits. Ouais. De l'amour et un instinct débile. Jean refuse de croire que je puisse échouer. Il m'aime trop. Je vais aller lui parler.